Alors, j'ai prévu du sopalin, de l'eau dans mon verre bière au beurre. J'ai quand même prévu au cas où le reste de la bouteille. Donc là, ici, en clin d'œil, le reste des dragées de Bertie Crochu. Et donc voilà un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais avoir les yeux fermés. Donc ma mère qui est derrière la caméra a le petit papier réponse que je vous montrerai tout à l'heure, bien entendu. Donc elle va voir les couleurs. Je vais les manger et en fait je vais essayer de deviner. Seulement après elle va me dire si j'ai bon ou pas. Alors, pour corser un petit peu le jeu et pour être vraiment sûre que je ne vois pas, je vais utiliser un bandeau pour la nuit. Voilà. On y va. Alors, on commence. Bon, j'espère pas commencer par vomi, honnêtement. Ça c'est bon ça. Ah, déjà c'est un bon truc, donc je suis contente. Ça a le goût de bonbon. Donc je dirais le petit rose là, Barbapapa. Ah bah alors c'est les bananes alors. Oui. Poivre. Poivre. Poubelle. Ouais, poubelle. Citron. En tout cas, c'est un bon truc. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. Green apple. Pomme verte? Pomme verte. Ouais, en sachant, ouais. Mais j'aurais pas trouvé. Oui? Je vois pas. Herbe. Non, ça c'est foutage de gueule, ça n'a pas goût d'herbe du tout. C'est herbe que tu as. Ça goûte sucre. Oui. Bah, tu vois, moi j'aurais dit ça pomme verte. Citron. Il y a un drôle de goût de citron quand même. Il n'est pas très bon comme citron. Oui. Pour avoir lu la notice au départ, j'irais cire d'oreille, un truc comme ça. C'est vers de terre. C'est bon. Tu vois, c'est logique, c'est bon en fait, c'est de la cire d'oreille ou un truc comme ça. Cerise. Oui. Oui. Bah là, tu vois, j'irai poivre. Non. Ah, myrtille. Oh, dégueulasse. Ah, dégueulasse, dégueulasse. Oui. Poivre. Non. Ah, dégueulasse ce truc. Ah. Saucisse. Ah ouais, exact. Saucisse. Ah ouais. Saucisse. Oui. Oh. Oh, je veux pas. Oh. Oh. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça peut être? Cire d'oreille. Oui. Oui. Pastèque. Oui. Ah bah, je veux dire, il est vachement bon celui-là. Oui. Barbapapa. Oui. Ah ouais, il est bon.
Oui. Mais tu vois, là, j'aurais hésité avec machin à l'eau. Oui, c'est ça, machin à l'eau. Oui. Oh. Oh. Attends, je vais prendre le goût quand même. Oh. Là, je peux pas. Ah, je peux pas. Là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pas bon. C'est pas possible. Ah. Ah, c'est pas possible. Ah, vomi. Oui. Ah, oh, c'est pas bon. Ah, putain, c'est pas bon. Mais il m'en reste plus deux alors. Ouais. Bon, j'ai choisi entre poivre noir et je sais pas quoi. Non, toi c'est bon ça. Je sais pas ce que c'est. Tutti frutti. Ah ouais. Ouais, bon, bah allez. Ça, celui-là, le poivre noir, je vais bien pas passer. Oui. Ouais, grande chance, je suppose que c'est poivre noir, j'ai pas encore ri. Oh ouais, y'a pas photo. Oh putain, y'a pas photo. Ah ouais. Ah ouais. Ouh là là. Ouh là là, poivrier fort. Bah, je suis contente d'avoir fait le challenge. De ce fait là, bah, le reste, en fait, je vais le faire tester à des amis, forcément. Je pourrais bien me moquer puisque là, cette fois-ci, je vais connaître les réponses, je vais savoir les goûts. J'ai vraiment voulu le faire avant en entier pour être sûre d'avoir un de chaque. Alors ça, j'ai payé l'équivalent de 15€ en Angleterre, donc au studio Tour d'Harry Potter. Alors, ça vaut le coup d'essayer pour ceux qui ont connu Harry Potter. Sinon, je trouve ça quand même super cher. Hein, faut pas se moquer du monde, c'est vrai que pour une petite boîte comme ça, c'est quand même super cher. C'est parce que c'est Harry Potter, sinon voilà, je n'aurais pas fait. J'espère que ça vous a plu, j'ai joué le jeu à fond.